Salut les amis, c'est mon bobère. Je rentre du bureau et je voulais te montrer un truc. Je suis allé au bureau, tu vois, j'ai été jouer de la musique, j'ai été écrire des choses, j'ai fait une réunion. Enfin bref, la vie est belle, tu vois, comme tout le monde. Voilà, pardon, excuse-moi, ça bouge beaucoup. Ah, la caméra elle bouge. Voilà ma tenue de bureau. La vie est belle. Et j'ai toujours mon sécateur dans la poche, forcément. Pourquoi ? Parce que quand je passe, bah, j'en profite pour tailler. Et en fait, moi, mon jardin, qui est très grand, bah, je le fais essentiellement avec un petit sécateur ou ma petite faucille. Et donc là, les murs de ronces que j'ai, qui sont géniaux, oh, regarde comment ça va donner tout ça, ça va péter de fruits, c'est trop bien. Et bah, j'y vais tout doucement, je prends le temps, je découpe comme ça. Salut toi. Et ensuite, je la redécoupe tout doucement, tu vois, ça me prend du temps. Je fais mon petit truc. La vie est belle, j'y vais tout doucement, j'ai pas besoin d'avoir une grosse débroussailleuse. Et c'est cool, et j'arrive à maintenir un jardin comme ça, assez divers, bah, tout doucement, tranquillement. Ça me prend du temps, mais comme je me balade souvent, et j'aime être dans cet état d'esprit, c'est cool, c'est léger, c'est pas trop compliqué, tu vois, j'ai pas un gros moteur qui... Ça m'arrive de tondre des fois, mais je peux pas prendre la débroussailleuse, et comme ça me permet surtout, moi, de... Tu vois, les fruits, je veux vraiment avoir les fruits, donc je coupe les grappes, comme les mecs feraient leur vin. Je taille en fonction pour avoir un maximum de grappes de fruits. Et je m'amuse, regarde, je crée des tunnels de ronces là, c'est trop bien. J'ai fait ça avec des barrières et j'ai, tu vois, des trucs en métal. J'ai fait des trucs comme ça et là le roncier, tu rentres dedans, c'est cool et t'as tous les fruits. Et c'est un petit paradis, tu vois, dans lequel tu rentres et tu rentres dans la forêt, c'est tout un labyrinthe. Qu'est-ce que c'est génial! Donc voilà, donc la douceur, c'est pour ça que je te dis, un jardin, oui, ça peut prendre beaucoup de temps, mais tu peux juste y aller comme ça avec un sécateur, tranquille, la vie est belle, tu taillotes ton jardin, c'est une sorte de bonsaï créatif et multi-plantes, enfin, il y a tellement de plantes dans tous les sens, et j'y vais tout doucement comme ça, en douceur. Là. Et j'ai l'impression qu'avec cette douceur, bah, les plantes réagissent vachement plus, tu vois, elles me donnent une abondance de fruits, de vie, de beauté, de biomasse, de machin. Et genre, je dis, bah, c'est cool, ouais, c'est génial. Donc je pense qu'on peut, en y allant doucement et en jouant, en connectant avec ce végétal, on peut vraiment faire une symbiose où il y a, c'est comme ça, kiffant pour tout le monde. Donc voilà, vive la vie. Ciao.